Alors, ça t'y connaît, pourquoi t'y gens encore vivant? Hein, la paix ne connaît pas, la paix ne connaît pas, pourquoi t'y gens encore vivant? Et la Mara Protasa, pourquoi t'y gens encore vivant? Malade ça, on en bas. C'est un gilet. Malatou, un vieux beau, on aurait dû lui nommer au moins 100 ans. Bougla était vieux, mais il était bien raide encore, il était vif. Mais il y a ouais, il avait dit qu'il un gilet de la main. Il y a la main. Il dit, j'ai fait la présentation. Il dit, maman, il m'appelle Daniel. Et où Tijan. Là, il dit, moi, Tijan. Il regarde lui, il dit, comment on appelle Tijan? Il dit, moi, c'est Tijan. Il dit, quel Tijan? Le Tijan des histoires? Il dit, bon, oui, moi, c'est le Tijan des histoires. Il dit, il n'est pas possible. Tijan, ça, c'est un affaire longtemps. Tijan est mort. Il dit, moi, non, Tijan est encore vivant. Moi, je lui dis, il dit, on ne connaît pas pourquoi Tijan est encore vivant? Moi, je lui dis, non. Il a dit, assise la même. Bah, raconte-la-vous. Après, on va monter là-haut, Guillaume. Raconte, bonne marmaille, pourquoi Tijan est encore vivant? Tu connais un petit genre, un petit marmaille, pas plus haut que ça. Il était futé. De Montédi, il était, il mange rien que la malice. Malice. Évidemment. Mais il était aussi un peu cueilli, un peu fronté. Hein. Et son moment était au bout des clés. Hein. Et son moment, on avait dit à lui plusieurs fois, allez par la case du roi. Vous allez complètement toc-toc. La dîner est piquée, la tête est plus bonne. Les piquer comme le monde. Allez piquer comme le monde. La dîner, mon enfant, on va finir comme tout le peuple là-bas. Allez pas. Piquer. Parce que ce roi-là, il était vieux, il était un peu toc-toc. Et là, il dit tout le temps, il était un peu triste. Il avait toujours besoin d'un monde pour amuser à lui. Alors, il était recruit. Dans toute l'île, la réunion, il était recruit bon bouffon. Alors le bouc qui arrive pour amuser le roi, l'été commence à amuser le roi un jour, deux jours, trois jours. Oui. Mais au bout d'un moment, le roi était fatigué. Connais quoi tu fais avec le bouc? T'es dans le crocodile. T'es trapalé, t'es mettant dans la fosse crocodile. Dans la fosse? Alors je t'y comprends, la maman de Tijan, pour dire allez mes enfants, allez pas à la case de roi s'il vous plaît. Criquez. Et d'à présent, Tijan l'a écouté? Non. Et Tijan le foie. Tijan la monte la case de roi. Et quand il arrive la case de roi, le roi la regarde à lui, il a dit, quoi, Tijan, tire un bouffon là-dedans, quoi il reste? Elle dit, mon roi, moi, il n'est pas bouffon, moi. Elle dit, bête, si je voulais pas bouffon, qu'est-ce que vous avez fait là? Elle dit, moi, c'est un raconteur d'histoire, moi, c'est un conteur. Elle dit, un conteur? C'est quoi ça? Elle dit, moi, les gaillards, ça. Moi, la vie ramasse dans la réunion, tout le monde. Histoire, histoire. Annie Gronda, Suliante, d'Ange, Daniel, Honoré. Moi, la vie de rame. C'est Annie Gronda. Il connaît toutes bonnes histoires. Moi, il a au moins mille et une histoires que il connaît. Tous les soirs, il raconte à moi, nous, va voir les gaillards, on va. Le roi, il dit, ben, il te connaît pas, mais il va essayer. Pourquoi? Peut-être que le ce bon lit. Il rappelle Tijan, il a dit, Tijan, on connaît la règle. Ouais. Il a dit, oui, mais on connaît la règle. Il a dit, on connaît Tijan, hein. Si le roi est content, le comté, elle est... Allez. Et si le roi n'est plus content, le comté, elle est... Dans la fosse crocodile. Il tranche la tête. Et quand le roi, il dit ça, on entend la mâchoire crocodile d'Alef. Criquet. Ok, Tijan, la reste là. Moi, sa place, moi, tu restes pas là. Tijan la reste la même. Et le soir, il a commencé à raconter ses histoires, le roi. Et le roi, t'es content. Deuxième soir, le roi, est content. Troisième soir, le roi, t'es content. Mais un soir, il était pourquoi arrive mille et une histoires. Un soir, il raconte des histoires, le roi, un peu toqué. Toqué. L'histoire d'un roi était un peu toqué. Tout d'un coup, le roi, la commence. Prendre ma colère. Elle dit aux histoires, elle fatigue à moi. Ôté la saisie, Tijan. Elle dit quoi, mon histoire, elle fatigue à vous, on l'a même pas écouté. Elle dit aux histoires, elle fatigue à moi. Elle dit, on connaît la règle, Tijan. Hein? On connaît la règle. Elle dit, oui, mais comment? Hein, si moi, t'es Tijan, on ne te reste pas là. Moi, échappe en vitesse. Tijan la reste là, maman. Elle dit, on connaît la règle.
Quand le roi est content, le comté allait. Et si le roi est plus content, le comté allait. Dans la fosse. Dans la fosse. Et là, on continue. Criquet. Si Jean regarde le roi, la Timora, il connaît la règle, il connaît, il faut lui mort, elle est bon. Seulement, maintenant, Nao, une faveur. Le roi regarde David, il a dit une faveur. Quelle faveur? Une seule faveur, mon roi. Il a dit dépêche-toi. Quelle faveur vous? Après, vous connaissez que ça y attend là-haut. Il a dit oui, mon roi. Il voudrait seulement, il connaît, il faut lui mort, mais il voudrait qu'on laisse à moi choisir mon qualité de mort. Il a dit oui, qualité de mort, il veut dire ça. Il a dit mon roi, n'a plein de façons de mourir. N'a un peu de monnaie, jette la zone dans le forant, par un fait. Il attache avec la corde, un peu, il s'est noyé. Dans le bassin bleu. Dans le bassin bleu, je sais pas où il va. Comment un peu, il boit la poison. Il a dit, laisse-moi choisir mon qualité de mort. Après, comment sera mort? Ben, vous jette à moi un clave dans la fosse crocodile. Hein, mon roi? Il a dit, il est bon. Allez, il laisse ça où? Il a dit, mon roi, laisse-moi choisir mon qualité de mort. Il a dit, oui, il laisse ça où? Il a dit, mon roi. Il a dit, attention à vous, hein. Moi, c'est le roi, on n'a rien qu'une parole, hein. Il est bon. Allez, choisis une qualité de mort, après ça, m'y jette à haut, et bon crocodile. Tu l'as fini? Mais bon? J'ai réfléchi. Elle dit, il est bon, on l'a fini de choisir? Elle dit, oui, on l'a fini de choisir. Elle dit, laquelle? Elle dit, mon roi, il voulait dire, on a une affaire. Vous connaissez, dans le fond là-bas, là, nana, monsieur, il est mort, on n'a pas longtemps, là. Elle dit, oui. Elle dit, un vieux monsieur. Demandez qu'on ne même pas quel âge il avait, tellement il était vieux. Elle a dit, il était voit plus clair, il était en cul, il était libre, il mangeait. Mais il était encore boudé. Et là, il vient de mort. Elle dit, ben alors, pourquoi on s'entend la mode de vieux bougla? Elle a dit, mon roi, ben c'est ça. Elle a dit, quoi, c'est ça? Elle a dit, mon roi, vous l'a dit, moi, il peut choisir mon qualité de mort. Et ben moi, il veut mourir de vieille vieillesse, comme le vieux là. Alors, ou laisse-moi vieillir, et un jour, quand on sera mort, et ben on va jeter en moi dans la fosse crocodile. Cric-cric. Alors, le vieux Bouguillon, on l'a vu, Daniel, l'a dit comme elle a moins au moins 100 ans, moi on est encore là, le roi, il a fini mort. Et l'a dit, vous connaissez? L'a dit, ben, va jeter en moi avec le crocodile. Elle a dit, ben non, moi la plus peur comme elle a, parce qu'il y en a encore crocodile là-bas, les temps salés. Seulement, comme elle a crocodile, il ne mange rien de volaille. Criquet. Criquet. Et voilà. Pourquoi ces gens sont encore vivants.